Salut, je m'appelle Marco. Avant j'étais pompier. Je dis avant parce que maintenant ça a plus vraiment d'importance. Ou peut-être que si, enfin en tout cas, dans le monde de maintenant, il valait mieux avoir été pompier que chef de projet marketing, ça je peux vous le dire. C'était la guerre. Comment ça a commencé, c'est pas important, hein. Une crise économique qui donne une crise sociale, qui donne une crise politique, qui donne une crise tout court. Enfin bon, peu importe qui, où et comment, en tout cas, c'était la guerre. Et maintenant, bah, dehors, des soldats couraient partout dans les rues en tirant sur tout ce qui bouge pour soi-disant protéger notre liberté. Résultat, bah, on était enfermés dans cette grande maison avec deux autres pauvres types. En réalité, ça fait des semaines que ça dure, mais bon. Comme c'est le premier jour où je commence vraiment à noter tout ça sur du papier, je vais simplifier et je vais appeler ça jour 1. Je vais pas vous expliquer en détail comment on s'est retrouvé ici, hein. C'est pas très important et de toute façon ça vous intéresserait pas. Pavel était un ancien footballeur, en parfaite forme physique. Il y avait pas plus rapide que lui et ça serait sûrement utile quand la nuit tomberait. Et puis de l'autre côté il y avait Bruno, un vieux barbu ronchon qui était cuisinier avant. Il avait même sa propre émission de télé, la cuisine de Bruno. Et puis il y avait elle, notre maison, une espèce d'immense manoir de 3 étages avec 2 sous-sols. Tout partait en ruine, cela dit. Il y avait des trous dans l'entrée, des trous dans la cuisine, des trous dans le toit. Bonjour les courants d'air, hein. Heureusement, c'était le début de l'automne. Il commençait à faire frais, mais pas encore assez pour que ça soit inquiétant. Notre première journée dans cette nouvelle maison commencerait comme dans toutes les autres. Qu'est-ce qu'on a et de quoi on a besoin? Oui, c'est pas la première maison qu'on visitait, hein. On se déplaçait en fonction des combats pour s'en tenir le plus loin possible, et à force maintenant, on commençait à connaître la routine. Alors tout le monde s'est dispersé. La maison était remplie de gravats qu'il fallait déblayer pour rendre ça vivable et d'armoires à fouiller pour trouver de quoi se fabriquer un vrai abri. Les premières heures de la journée furent calmes. On trouvait essentiellement des matériaux, un peu de bois, quelques pièces et même quelques composants électroniques. Ça sera utile. On pourrait construire des lits par exemple, mais en temps de guerre, on révise rapidement ses priorités. Pavel construisit en premier un atelier de métallurgie. Avec tout ce foutoir, la plupart des gens avaient enfermé leurs biens les plus précieux dans des armoires sous scellés. C'est pour ça que notre première décision, avant même le lit, fut de bricoler un petit pied de biche pour ouvrir tout ça. Mais malheureusement, tout ce qu'on trouva dans les armoires fut quelques bricoles et plusieurs livres. Je sais qu'on dit que les livres sont la nourriture de l'esprit, mais je vous avoue que j'aurais bien préféré trouver un paquet de chips. Sans pelle, notre activité nous prit la plupart de la journée. Le temps passait et la nuit tombait déjà. La nuit, en temps de guerre, c'est le moment où les civils sortent. Les soldats, eux, rentrent dans leurs abris et picolent jusqu'à tomber dans l'inconscience. Notre situation était mauvaise, mais pas encore critique. Les recherches dans la maison ne nous avaient pas permis de trouver de la nourriture. Nous n'avions pas faim, encore, mais ça allait venir. Pour commencer donc, il fallait trouver de quoi améliorer notre abri. Bruno était légèrement blessé et moi j'étais légèrement malade. Ne préférant pas prendre de risques, c'est donc Pavel qui se porta volontaire pour aller collecter. Notre maison était au sud de la ville. Pas très loin, il y avait un garage, un immeuble d'habitation en ruine et un squat délabré. Le choix se porta sur l'immeuble d'habitation. On pensait y trouver à la fois de quoi améliorer notre abri, mais aussi de la nourriture pour reprendre des forces. Pavel avait embarqué le pied de biche au cas où et filait vers la maison. Devant lui, arrivé dans le jardin, il passait devant une balançoire d'enfants encore étrangement debout, tandis qu'en face, la façade de l'immeuble était complètement éventrée. Au pied du bâtiment, une première cache attira son attention. Probablement des objets qui avaient été vomis par l'immeuble lors de l'explosion. Un peu de matériaux et du bois. Pourquoi pas, se dit-il. Ça faisait aussi partie de ce qu'on recherche. Rentrant prudemment dans ce qui avait été autrefois un salon, Dame Chance nous souria. Un peu de nourriture. Pas grand-chose, certes. Tout juste de quoi fabriquer un repas à vue de nez, mais c'était toujours ça de prix. Le reste du rez-de-chaussée ne se montra pas aussi généreux, du moins en nourriture. Essentiellement des matériaux, des pièces et un peu de fatras inutiles, du fertilisant, des feuilles, des clopes, enfin bref, pas très utile pour nous. Pavel n'avait exploré que la moitié de la maison mais décida quand même de rentrer. Il y avait encore plein de travail à faire à la maison et tous ces matériaux allaient être utiles. C'est ainsi que commença le deuxième jour. Tandis que Pavel rentrait, aux premières lueurs de l'aube, les poches chargées de choses utiles, Bruno et moi continuions à finir les travaux commencés hier. Bruno entama la construction d'un système basique pour récupérer l'eau de pluie. Au moins, on ne mourrait pas de soif, à défaut de mourir de faim. La surprise de cette deuxième journée vint de moi. En ouvrant la dernière armoire intacte de la maison, je trouvais un énorme diamant.
L'ironie de la situation était assommante. Me voilà en possession d'un énorme diamant qui valait probablement l'équivalent de 6 mois de mon ancien salaire, sauf que j'allais mourir de faim d'ici 2 jours si je ne trouvais rien à manger. Devant tant d'absurdités de la part du destin, j'attrapai quelques planches de bois et quelques matériaux divers pour fabriquer un deuxième lit, et je préférais retourner me coucher. La nuit venait de tomber sur la ville. Une nuit qui, pour nous, serait identique à la première, en tout point. Même situation, même conséquence. M'a tout s'améliorer, certes, mais pour ne pas prendre de risques, Pavel préférait aller s'occuper lui-même de la collecte. Il retourna donc au même endroit que la nuit précédente. Au premier étage, de l'immeuble en ruine, il trouva une autre cache, plus importante celle-ci, cachant elle aussi des monceaux de bois et de matériaux. Il ramassa tout. L'objectif, que nous avions tous en tête à ce moment-là, était de récupérer assez de matériaux pour construire de quoi planter nos propres légumes, et de quoi capturer de petits rongeurs dans la maison que nous pourrions ensuite cuisiner. Cela pouvait sembler répugnant, mais nous avions un chef cuisinier dans l'équipe après tout. Un bon rat bien assaisonné, ne serait-ce pas plus mauvais que les fast-foods que je mangeais avant la guerre ? Après quelques heures, cet immeuble en ruine avait hélas révélé tous ses secrets. Le reste de la maison était inaccessible, une large porte en fer obstruée par d'épais barreaux interdisait tout accès au reste de la maison. Et le plus cruel dans cette histoire, c'était que le reste de la maison était constitué d'une cuisine presque intacte. Pavel décida de revenir sur ses pas, mais nous notions dans notre tête l'emplacement de cette source de nourriture. Une fois que nous aurions de quoi construire une scie, il fallait absolument revenir ici. Troisième jour. La faim commençait doucement à nous tordre le ventre. Nous avions une légère réserve de nourriture que nous préférions ne pas entamer. Plutôt que ça, nous accrochant à l'espoir comme une moule sur un bateau, Pavel avait commencé à construire une cuisinière. C'était plutôt une situation surréaliste. Nous construisions une cuisinière alors que nous n'avions rien à cuisiner. Soudain, vers 10h30 environ, quelqu'un frappa à la porte. C'était un vendeur qui faisait du porte-à-porte, il cherchait à troquer avec les habitants du quartier. C'est incroyable comme même au cœur du chaos, la structure de la société semble ne pas changer. Pour nous, c'était comme si le Père Noël venait nous apporter des cadeaux. Surtout que je réalisa alors l'intérêt de ma découverte du jour précédent. Cet énorme diamant, et je pourrais très certainement en tirer quelque chose de très utile. La discussion dura quelques minutes. Nous cherchions un terrain d'entente et débattions comme deux vendeurs de tapis. Au final, j'avais pu me débarrasser du diamant, ainsi que de quelques livres que j'avais trouvés. En échange d'un peu de nourriture et de quelques pièces. Plutôt que de tout prendre en nourriture, nous préférions voir à plus long terme. Ces pièces nous permettraient de faire un pas de plus vers le piège à animaux. Et le morceau d'arme cassée que j'avais récupéré allait me permettre de fabriquer un couteau pour nous défendre des pilleurs. La nuit tombait doucement sur la ville, tandis que Matou s'était complètement estompé. Cette nuit-là, Pavel resterait dormir, et ça serait moi qui sortirais. J'étais pompier, j'avais l'entraînement. Qui d'autre aurait pu mieux assumer ce rôle ? Pour cette troisième nuit, je décidai d'abandonner l'immeuble d'appartement que Pavel avait déjà visité, pour me diriger vers un squat abandonné, un peu plus à l'est. La pluie tombait en rafale et rendait la visibilité extrêmement limitée. J'entrai dans le squat par un abri dans l'arrière-cour. À l'intérieur, une armoire était remplie de pièces et de quelques autres outils utiles que je décidai d'embarquer. Plus loin, une échelle conduisait vers un sous-sol délabré rempli de bazar que je décidai aussi d'emmener avec moi. Si je trouvais plus intéressant, rien ne m'empêcherait de tout jeter et de revenir une autre fois pour le chercher. À ma gauche, un fin filet de lumière laissait entrevoir un salon vide au-dessus. Je décidai de m'y aventurer et de monter au premier étage par une échelle qui passait directement dans une salle de bain. Avançant à pas de chat, je fouillai un à un les meubles, ramassant tout ce qui me semblait utile. Je trouvai aussi plus loin un message, probablement laissé par la personne qui vivait ici avant. Soudain, au détour d'une porte, je tomba sur quelqu'un. Il ne m'avait pas vu car j'étais hors de son champ de vision, j'étais au-dessus de lui, mais il y avait bel et bien quelqu'un. Probablement un sans-abri, recroquevillé sur lui-même, dans le froid. Il ne m'avait pas l'air trop dangereux, je décidai donc de descendre, pour aller le voir, tout de même prêt à sortir mon pied de biche à tout moment pour me défendre. Pensant que l'homme s'enfuirait, en m'apercevant, je fus surpris en le voyant se lever et m'adresser la parole. Il était affamé. Cela faisait des jours qu'il n'avait probablement rien mangé. Ses joues étaient creusées, ses yeux étaient fatigués.
L'homme me suppliait de lui venir en aide. Mais je n'avais rien sur moi. Nous n'avions même pas assez de nourriture pour nous-mêmes. Que devais-je faire ? Ainsi, je continuais à fouiller le reste de la maison, tandis que ce pauvre bougre me suivait en suppliant. Tel un château abandonné qui miaulerait derrière vous, en quémandant quelques croquettes. Mon cœur était déchiré. Je fouillais dans toutes les pièces de la maison, en espérant trouver un peu de nourriture à ramener. Puis j'abandonnais l'idée de partager ma nourriture. Rien à faire, je n'en trouvais pas. Je repartais vers l'abri, et en me retournant, je vis l'homme se rasseoir seul, dans une pièce en ruine, le visage tordu par la douleur de la faim. Je jurai de revenir demain, l'aider dès que je pourrais.